Salut tout le monde, c'est Wanigion, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture d'items Pokémon. Donc aujourd'hui, on va s'ouvrir un stade de stratégie et combat, pardon. Donc dedans, on est censé trouver deux pré-relays, Astre Radieux. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. Sachant que j'ai déjà ouvert alors trois pré-relays déjà de Astre Radieux. Donc il me manquait plus qu'une carte promo, mais... Agnori savait plus qu'il y avait cet item-là et donc elle a déjà acheté la dernière carte qui manquait, c'est-à-dire la carte promo de Serbilin. Donc en fait, j'ai pas vraiment besoin de les ouvrir, ces pré-relays, mais vu que l'item est nouveau et sympa, eh ben, on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc déjà, on a des boosters qui sont solo d'Astre Radieux avec du Palkia Origine, Dialga Origine. Clamiral de Dissui et Typhlosion Dissui. Donc 4 boosters. Oh la vache, un gros paquet mais d'énergie. Il n'y a que de l'énergie là-dedans? Oui. Ah, ok. Oui, parce que c'est pour faire si tu veux faire. Ah ouais, mais là il est énorme. Là, des jetons. Pour que des énergies, c'est énorme. Et les dés. Alors, ça, c'est les mêmes dés que dans les ETB dresseurs, dans les dresseurs d'élite, les coffrets dresseurs d'élite d'Astre Radieux. Donc, c'est exactement les mêmes. Pour moi. Je sais pas si t'as déjà ouvert des packs stratégiques. Non, c'est le premier qu'on ouvre. Avant ça n'existait pas, je sais pas. Il y en a un autre, quelque part, rangé. Ok. Donc la petite boîte, hop, je la range. Et donc on a deux pré-relays. Hein. Deck d'avant-première. Donc c'est parti. On va en ouvrir. Est-ce qu'on ouvre les deux? Ouais. Bah. En vrai, en termes d'utilité, ah, il y a des boosters dedans, ouais. Booster. Allez. Hop. Donc la petite boîte, dedans on a les règles explicatives et donc la carte promo. Donc ici c'est Paragruel de Hisui. Ben, c'est Paragruel quoi, il est coché dans Hisui. Et on a 4 boosters, Astre Radieux. Et cette fois-ci on a Archiduc de Hisui. C'était la seule illustration qui nous manquait. Hop, on va ouvrir la deuxième et puis on va recevoir tous les boosters à la suite. Mais c'est un item assez intéressant, hein. J'espère qu'ils vont continuer de le sortir. Comme ça, on pourra s'acheter les pré-relays. Je vais continuer. Et on aura les. Parce que c'est assez rare hein, d'avoir toutes les pré-relays, sachant qu'il y a que, bah, il y a 4 cartes promo à chaque fois. Donc il faut essayer de les trouver et ne pas tomber sur des doubles. Donc c'est cool cet item et on a Serbilin, voilà, c'était celui qui me manquait, donc au moins on l'a eu dans le booster. Donc la carte promo SWSH 206 que je n'avais pas avant de l'acheter, vous la voyez là, elle est toute seule. Acheté d'occasion, j'allais dire. Tac, donc 4 boosters. Donc c'est parti, on va s'ouvrir tous ces boosters d'Astre Radieux. Allez, c'est parti. Donc ça nous fait quand même 12 boosters, hein. C'est quand même pas mal. Donc on espère compléter un maximum la collection. En 12 boosters, on devrait trouver au moins 3 ultras. Allez, on va dire. Allez, on va. Ouais, si, ça serait pas mal, 3 ultras. Il y a le TG aussi. Hein. Ouais, c'est pour ça aussi. Donc je pense qu'on va en trouver quand même plus. C'est parti. Donc le symbole pour la série, Astre Radieux. Si la macro veut bien se faire. Non, elle veut pas. Bon, elle veut pas, je sais pas. Quillfish de Hisui. T'as aussi un Caninos petit de peu. Hisui. Grelasson, Fureglon, Ponyta, Bastiodon en rare reverse, peut-être holo. Et. Ok, Givrali en simple rare, énergie ténèbres, vitalité de flot, Barbicha et Ursaring. Ok. Allez, deuxième booster, on part sur du Dialga. Tu veux me les laisser? Oui, hop. Et donc, on est reparti. Hippopotas, Érissandre, un sécateur, Caninos de Hisui, Archéomyr, Keldeo en rare reverse, encore une fois, peut-être holo. Et. Oh, Ursaking, pardon, en simple rare. Énergie O, Nianmega, Selena et Crefadet. Bon alors pour l'instant rien du tout, on a eu quand même deux rares reverse peut-être holo. C'est des euros, ouais. Les deux? Bon Bah, bah pas de chance. Caldeo, oui, après l'autre, je sais plus c'était qui. C'était Bastiodon. Donc c'est pour ça on n'a pas eu de chance.
Donc le cuilfiche de Hisui, Chlorobule, Goupilou, Hippopotasse, Eris Cendre, Piolet Courageux, un peu comme une reverse. Donc la reverse peut se transformer en secrète, mais pour l'instant on a juste des reverse. Et ah, Farfurex en rare, bah, en holographique, pardon, en holo. Donc ça c'est cool, petit ultra, énergie acier, Cranidos, parfum inhibiteur et Cochignon. Tu disais quoi par rapport à Bastiodon? Tu l'as déjà de toute façon. Ouais, mais c'est une holo. Ouais, donc en fait on aurait pu avoir 3 holos, ce qui est quand même costaud. On a eu 2 reverse à la place. Alors que Kaleo, tu l'as pas en holo. Ouais, dommage. Allez, on poursuit. Krixik, Psychoquack, Chlorobule, Serfrousse, Grelasson, Apirène en rare reverse encore une fois, peut-être holo, et ah bah non, Apirène en simple rare, le Vestar, lunettes super efficaces, Archéodong, et on termine avec Matloutre. Ok, donc là on a fait 4 boosters, je crois. On a eu une holographique. Tu m'as pas passé le booster, j'ai ouvert. Merci. Hop, suivant, tac. Je sais plus c'était lesquels les bien chanceux. Allez, c'est reparti. Brindibou, Moustillon, un sécateur. Pour l'instant, on n'est pas méga chanceux. On a eu la petite holo quand même qui faisait plaisir. Serfrousse, Yanma, Temple de Sinnoh, un peu comme une reverse. Et Cormier en rare. Alors malheureusement, je l'ai déjà dans la collection. Donc c'est une double. Oh! Elle a un problème? Non, non. Non, non, c'est son manteau qui fait comme ça, mais ça fait un effet craquelé au niveau du manteau. Alors je sais pas si vous allez le voir dans la brillance. J'essaye de l'incliner suffisamment, mais en fait c'est pour faire le duvet du manteau. Ouais. Mais ça fait craquer au niveau de la brillance, ça fait bizarre, j'ai eu peur. Tiens, regarde si tu veux. Énergie Psy, Noirfang, Hippodocus et Eflèche. Ah ouais. Donc on a quand même une ultra dresseur là, Full Art, plus la holographique. Pour l'instant on est bien en termes de ratio. Il nous faudrait encore soit 2 ultras, soit une holo et une ultra pour se dire que on a respecté les ratios. Même si je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Et donc c'est reparti. Surtout que là c'est une double. Donc Krixik, Serfrousse, Cuilfiche de Hisui, un sécateur, là on est sur des cartes qu'on a déjà vues, Togepi, Créelf en peu comme une reverse, et oh, Seracrol de Hisui en simple rare, énergie feu, Barbicha, miel, et on termine avec Melocric. Ok. Là on est déjà à la moitié, non, même plus loin. Ouais, non, on arrive, bah on était à la moitié là, on avait fait 6 boosters, donc là pour l'instant c'est... Si on fait la même chose, ça serait pas suffisant. Ouais, ça serait pas suffisant. Donc on va espérer être un peu plus chanceux sur la suite. Donc c'est reparti. Avec Grelasson, Furéglon, Ponyta, Pijako, Archéomir. Oh, une TG. Silver Roi, Cavalier de l'Effroi. Ah, Cavalier d'Effroi, ils disent. La TG 17 sur 30, donc ah, ça c'est super. Ça par contre c'est classe. Regardez-moi cette carte, là, les couleurs là, le violet bleu, sublime, vraiment sublime. Et derrière, oh bah quel déo en holo! Bah, bon bah parfait. Donc on a 2 holos et 2 ultras. Donc bon, pour moi j'allais dire le ratio est respecté. J'aimerais quand même un peu plus. Il nous reste 5 boosters pour le faire, donc c'est quand même pas mal. Et quel déo! Donc là c'est 2 nouvelles cartes pour la collection. Énergie Roche Sol Combat, Créelf, Pulpic et Cormier. Ok. Allez, on poursuit. Oh, très beau booster en tout cas. Qui nous a apporté 2 ultras dans le même booster. C'est aussi pour ça que juste avoir 3 ultras, ça serait pas énorme. On peut avoir 2 ultras par booster. Ça serait bien de taper au moins 5 ultras quoi. Ponyta, sympa avec le lever ou le coucher du soleil, même si on l'a déjà vu plusieurs fois. Brindibou, Archéomir, Moustillon, Hout Hout, Écrémeux en rare reverse, peut-être holo, encore une fois, et Apirène en simple rare, énergie électrique, Selena, Créfadé, et on termine avec Vitalité de Flo. Allez, on poursuit, il reste 4 boosters. Bon,
en vrai, si on n'a plus rien, c'est pas trop grave. On pourra se contenter de ce qu'on a eu. Ce sera pas énorme, mais ça reste cool. Allez, on est reparti. Barloche. Scalpion. Evoli. Scarino. Teddy Ursa. Turbo Patience, un peu comme une reverse. Et derrière... Oh, Regidrago en simple rare, mais elle est sympa. Énergie électrique, Magneton, Fortifiant Obscur et Hippodocus. 3 boosters. Là, on passe sur l'amiral de Hisui. Tac, tac. Paf. Allez, on continue. Quillfish de Hisui. Un sécateur. Togepi, Apitrini, Pijako, Grodrive en peu comme une reverse et oh, Magirève en simple rare, très sympa quand même. Energy Roll Sol Combat, Kulpik de Hisui, Créelf et on termine avec Dinoclier en pâte à modeler. Là sur la fin on est un peu moins chanceux, heureusement on a eu un booster très très chanceux parce qu'il se passe plus grand chose. Allez, on continue. Psychoquack, Beaudrive, Simularbre, Magnéti, pop, Tarsal, Shaglam en commune reverse et derrière, Graiena en simple rare, Énergie Psy, Crefadé, Chaffreux et on termine avec Scalproie. Ok, allez, dernier booster. Vraiment, ce serait cool. Il nous faut quelque chose. Pour moi, il nous faut quelque chose. Au moins une holographique. Sinon, je trouve quand même que les pré-analyses ont été un peu faibles. C'est vrai. Après, on a quand même une TG, une nouvelle TG en plus. Des Manta, un sécateur, Bargantua de Hisui, Voltorb de Hisui, Shaglam qu'on vient d'avoir en reverse, et Flèche en peu comme une reverse, et Créfolé en holographique. Donc voilà, bah, ça a respecté ce que j'ai dit, au moins une holographique, et en plus je ne l'ai pas. Énergie, feu, en plus sympa le coucher de soleil derrière. Mass Ball de Hisui, bah Mass Ball, oui, de Hisui, Furisson et Sika. Ok, et ben bah pour le petit récap, on est parti. Donc au niveau des cartes promo, voilà ce qu'on a eu. On a eu le Paragruel de Hisui, mais c'est Paragruel et Serbilin. Bah oui, d'ailleurs, c'est trop bizarre de mettre Paragruel de Hisui et Serbilin tout court. Bah, je veux dire, c'est une évolution de Bargantua de Hisui et lui de Serfrousse. Ah oui, mais de Serfrousse tout court. C'est pas une forme. C'est pas une forme, Serfrousse. De Hisui. Bah, donc c'est pour ça en fait. Paragruel, c'est pas une forme non plus. Oui, mais si. Bargantua, sa sous-évolution, c'est une forme de Hisui. Oui. C'est pour ça. Donc SWSH 206 et 205, sachant que je n'avais pas le Serbilin dans une ouverture, mais je l'avais acheté à l'unité. Donc voilà. Et donc au niveau des ultras qu'on a eu dans les boosters. On a eu Farfurex, donc je crois que je l'avais pas, je suis plus sûr à 100%. Keldeo, celui-là je sais que je ne l'avais pas. Le Créfolé, je ne l'avais pas non plus, donc 3 holographiques. Cormier en Full Art Dresseur, je l'avais déjà malheureusement, mais très belle Full Art. Et en TG, donc en carte secrète, la TG 17 sur 30, Silver Roi, Cavalier d'Effroi V, qui est très belle, hein. Qui est très belle, plein de couleurs. Vraiment très sympa. Après, le dresseur, il fait un peu péter quand même. Hein. En termes d'illustration, pas très beau. Ouais, non, mais vraiment. Merde, la macro veut pas trop se faire, mais... Ouais, il est pas très dans le détail. Bof, bof. Hein. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!